La nouvelle méta absolue de la saison 3, c'est le Renetti. Vous allez voir dans les gameplays qui suivent, c'est n'importe quoi comme l'arme. Elle est forte, c'est celle qui tue le plus vite sur le jeu. Et si vous l'avez pas de montée, dépêchez-vous de le faire parce que c'est une dinguerie. Regardez ça. Le Renetti est sur mon profil community, Odino. Fais exclamation classe. Ouais, bah, c'est quoi ton rythme à peu près? Parce que là, je vois, tu mets quand même régulièrement des clips. Je me dis, est-ce que ton rythme à peu près de je mets un clip, c'est un par game ou c'est combien? Bah non, je mets pas un par game. Bah si, en fait ça dépend, des fois il y a des games où j'en mets plusieurs, des fois j'en mets pas, genre. Okay. C'est aléatoire. Et puis ça dépend comment je joue la game aussi. Bah, c'est un gros clip, non. C'est quoi cette question de suceur? Un 720, oui. Mais un gros clip, non. Hey, j'ai une douleur au... Ah là, j'ai même pas envie de l'ajuster. Sur le blanc. Content. Les gens, ils me tuent avant. Ça. Tu vas hurler sur les stacks. Ouais, il a dû péter un câble. Et je ne peux rien faire! Votre coéquipier repart au combat. À droite, Esca. Oui, Esca? C'était. Vraiment te voler les kills comme ça, mais qu'est-ce que ça me fait mal au cœur. J'adore. Ça me fait mal au cœur, tu peux pas savoir. Je rêverais de faire un walker contre toi. Merci les gars. On a tiré à 3 en même temps, ça fait un bruit. Il y a un col qui a été pris sur nous. Oh ah, je suis mort. Non, allez. What? Ah, je le sens pas, ils sont tous sur le stack. Je stack avec le kill. Y'a le mec manette qui passe devant. Regarde, attends, je mets ça. Ouais. En bas du phare, l'autre est super loin. Il monte en haut du phare. Ah, il y a un mec en bas à la prison. Il aime le choper celui-là. Hop là. Je sais pas, il va vers toi. Ouais. Ah ouais. Ah franchement, heureusement que j'ai la méta absolue parce qu'il m'aurait éteint le mec. La méta absolue. Pas la méta absolue number one sur Community. Toute votre escouade est dans la zone de sécurité. Non, la nuque n'a pas été patchée les gars. La nuque n'a pas été patchée, c'est... C'est aussi dur, juste on est meilleur. Et on a surtout la bonne strat en vrai de vrai. On a surtout la bonne strat. Oh non, c'était ma POV. Oh non. Oh non. J'avais un TikToker qui me faisait des droites gauche là. Ouais, je ping kill, pourquoi t'as supprimé la rediff là? Oh good. Pose pas de questions. Eh mais ça, le fight que j'ai gagné, c'est grâce à Code Multi. Avec la méta absolue? Voilà, avec la méta absolue, oui. Je vous le conseille. Braderie activée. Des réductions ont été appliquées dans les stations de... Eh, je sais pas pourquoi je pense à ça, mais... J'ai peur que le prochain Warzone, là, en octobre, je sais pas quoi, là, il soit vraiment bien cuit, hein. Pourquoi il serait vraiment bien? Bah, je sais pas, ils vont vouloir changer des trucs et... J'ai vu un tweet hier qui disait que... Les mouvements de Gulf War là, comment ça s'appelle? C'est beaucoup mieux que le Sudden 2 des ouais. Ah ouais? Ouais, et ça fait déjà quelques mois que ça le dit déjà. Que ça serait encore plus dynamique mais que Warzone 1. Généralement, au bêta et avant les releases, les mouvements sont toujours bien. Et avant et après, ouais, genre il est nerf à la bêta parce que les gens se plaignent. Bah en vrai, c'est ça. Hein. NW2, ah, ouais. Les mouvements étaient incroyables à la bêta.
Là, il y avait les bunny hop, il y avait des trucs et tout. Ouais. Et au final, le jeu est sorti, ça pue la merde. Il y avait même le dolphin bunny hop là. Ma prison, elle est vite, qu'un chevet. Oh le pauvre. Ah, c'est encore lui, c'est encore un arracheur de. Ouais. Vraiment, les lightnings, c'est ton frère. Non, arrête de dire ça. J'en parlerai dans mon livre. Arrête de dire ça. C'est ta strat numéro 1. Bien sûr. Prends ça, je suis rien. Bien, votre escouade est en sécurité. Tu vois, je 1. Tu sais que des fois, vraiment, je suis en train de track un mec et je me dis, mais oh my god, le life ping de taré. Et je sais que c'est toi qui me le mets. Je suis là, mais il est vraiment taré. Hein. T'as mis une touche sur le clavier, non? Non, sur la souris. Parce que moi c'est sur le molette, donc c'est un peu chiant. Moi c'est mouse 4. Tirer, je peux pas te tirer en même temps, genre. Ah, oui, ouais. Tu m'étonnes que tu le spam. Du coup, dès que je tire avec mon pouce, j'appuie. Voilà, je viens de le faire. Et sinon, il y avait une autre technique, mais c'était sur Battlefield. Sur Battlefield, c'était A. Et du coup, bah, tu spammes avec le clavier. Tu me mets sur gauche. Il est là, il est là, tires, il est là, il spam comme un taré. Ah mais du coup c'est frustrant de jouer avec des joueurs manettes parce que bah, ils donnent aucune info quoi. Sur le toit il y a un mec là derrière. Déjà tu parles, ils te disent là et ici au lieu de dire la com et ils te font pas les cons. Ah va vite hein. Je crois que c'est mon ami. Eh oui on push. Y'a personne là? Ils sont les ratons. Je pense là dans les yeux là. Advance. Non, advance. Ah oui, non, advance, mais. Ah, j'ai passé moi. Tiens, mets un advance. Un cheveu dans le phare, un cheveu dans le phare. Ah, je vous déteste. Ah, vas-y, le gueule, mets l'advance. Attends, comment ça le mec il s'est self? Il n'est pas de respawné. Ah la méta absolue. Il doit être content du voyage. Il était en l'air, il s'est dit let's go, je vais régler. Merci mate. Qui a besoin du DRA. Vous savez ce qui est en train de me chagriner là? C'est que je me dis en fait je fais des kills avec ma RAM 7 qui a le camo de la nuque. Les mecs ils regardent le camo, mais ils ne verront jamais que c'est le camo de la nuque. Ah bah non. Ouais, ils se disent que j'ai un camo de merde en fait. Pourtant c'est pas compliqué de faire un camo stylé genre. Déjà rien que... Tu sais t'as des camos ils sont propres et t'en as qui sont un peu... T'es sale et tout genre en mode usé. Ouais. Genre là tu vois c'est un peu le cas sur le camo de Danuk, je comprends pas pourquoi vous avez fait ça toi. Y'a un mec là à l'intérieur. Qui ça joue? Ouais ça joue. C'est la fin de la partie. Il reste 3 teams ah, encore joue... Ouais, 3 mecs en bas là. Ouais. Ils veulent pas mourir. Si, hein. Si y'a le mec qui s'appelle TikTok machin, faut le petit vague. Lui. Ah, c'est lui, c'est lui, mec qui te. Ah non. Ah. Oh, j'ai petit vague, je suis enculé, mais c'était pas le mec que je cherchais. Toi, tu parles la meuf avec le bandeau là. Celui qui a TikTok en clan tag. Avec ouais. Un smiley à la fin de son blaze. L'enculé par défaut quoi. Bah alors, ça va. Ah ouais je... Du coup les gars pour la classe on va retrouver en bouche le truc qu'absolument tout le monde met depuis, depuis un bon moment déjà, le Flash Zemen 35, compensateur et Flash Zemen 35, recul vertical, recul horizontal. La classe bouge quand même pas mal mais avec ça c'est un repère. Ensuite on enchaîne donc soit vous mettez, moi perso je mets toujours un viseur parce que je trouve la mire est pas ouf et surtout ça permet de mieux viser. Soit vous mettez un petit viseur, soit vous venez mettre l'accessoire canon, donc la plupart des joueurs mettent poignée lourde soutien bruyenne. Perso je reste sur le viseur, ensuite le chargeur, on met 50 cartouches, on n'a pas 60 mais bien 50. Vous mettez ensuite le poignet de combat Brain Onslaught, donc c'est le tout premier, pareil pour le contrôle du recul. Et après vous venez mettre le kit de conversion, kit carabine Jack Zero City, c'est ça qui fait toute la différence, c'est le truc qui rend l'arme cheatée. Et ça par contre, faites bien attention, mais c'est possible que vous ne l'ayez pas de monter ou du moins débloquer. Donc n'hésitez pas à checker une de mes vidéos où je montre comment avoir tous les accessoires sur les armes, même si vous n'avez pas les armes au max. Et allez tester ça, franchement, vous n'allez pas être déçu, ça c'est sûr.